Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va présenter une nouveau véhicule, une Golf GTI TCR de 2019. Donc en fait, c'est l'évolution de la série 7 avant d'arriver à la série 8. Voilà, donc son prix de base, il est à 47 590 euros. 100 exemplaires vendus en France. 290 chevaux pour 380 Nm de couple. Alors, plus de 45 chevaux par rapport à la GTI Performance. De 0 à 100 en 5 secondes 6. Boîte de vitesse DSG 7 rapports. 1410 kg. Et bon, bien sûr, c'est un 4 cylindres essence. Jante 19 pouces. 8 litres au 100. Voilà. Alors, on va se préparer une petite accélération pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ils ont sorti la Golf TCR, la Golf GTI TCR, pour rendre hommage aux résultats de l'année par la Golf dans le championnat Touring Racing Car, donc TCR, évidemment, International Series, notamment deux titres mondiaux remportés en 2016 et en 2017. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un 4 cylindres essence turbo, 1984 cm3. Donc vitesse maxi 250 km/h, bon, on a vu tout à l'heure dans la vidéo juste avant que le gars était déjà 264, donc à mon avis ça c'est énorme. Le poids 1,568 tonnes, 8,72 litres, donc moi j'avais dit 8 litres, hein, on est bon. 290 chevaux de 5400 à 6400 tours minute. La boîte de vitesse DSG 7 rapports. 0 à 100 en 5 secondes 6, comme j'avais dit. Émission de CO2, 178 grammes par kilomètre. Longueur, 4,268 m. Largeur, 1,79 m. Hauteur, 1,44 m. Voilà. Donc, elle peut être équipée de fort belles jantes en 19 pouces noir mat. Je sais pas si on les voit un peu, les jantes. Ouais, ils sont là, ici. Plutôt pas mal. On va là aussi. Ouais, ils sont assez belles, j'avoue. Elle est simple. Simple et efficace. J'aime bien le gris qui est dessus. Ça rappelle un peu le gris Nardo de chez Audi. Qui n'existe plus d'ailleurs. Donc elle est équipée de pneus 235-35R19. Donc elle est sortie en 3 et 5 portes avec seulement 5 coloris. Donc le rouge, le noir, le gris et deux autres teintes nacrées. Voilà. Donc le gris, le célèbre gris, j'aime bien. Alors, ces dimensions sont celles de la GTI. Hein, voilà. Quant au poids vide, il s'élève à 1 tonne 568, ce qui n'en fait pas la reine de la légèreté. Ouais, c'est vrai que c'est assez lourd pour un véhicule de ce gabarit. Voilà. Les sièges, plutôt pas mal. Des semi-baquets. Siège semi-baqué, je vais m'en tenir là. Voilà, le tableau de bord plutôt pas mal. Avec les surpiqûres un peu tout partout. Ici, là sur le volant, sur le pommeau de vitesse, sur les tapis. Ouais, plutôt pas mal. À l'arrière, pareil. Il ne manquerait plus que ce soit autre chose à l'arrière. Le tableau de bord. Bon, l'autoradio plutôt pas mal, contour intégré, moniteur de performance, voilà, carnet,
App Connect, navigation, véhicule, téléphone. Le tableau de bord, le cockpit est pas mal. J'aime bien avec la carte au milieu. Voilà, tous les accessoires, hein, boîte à gants, accoudoir. Toujours accoudoir. Voilà, bon, le célèbre manette, le célèbre interrupteur de fer, toujours pareil. Ils ont déporté les commandes de vide de rétroviseur. Le moteur, le TSI, il est pas mal. J'aime bien, plutôt bien fait. Propre, simple. Voilà, commande. Tableau de bord, plusieurs modes alors. Hein. Chrono, il y a la partie chrono. Avec caméra de recul, je pense, ça doit être. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc ça, les photos, c'est fini. Bon, là, du coup, ils nous disent... alors qu'une GTI série 7 sort 245 chevaux du 2 litres turbo TSI, ce groupe propulseur longue course, il sort 290 chevaux et 213 kW sur la TCR. 380 Nm, hein, c'est ce qu'on avait dit. Soit 10 Nm de plus que sur la GTI. La rare version Club Sport affiche 20 chevaux de plus, 310 chevaux. Bon. Ça reste dans ces limites-là, c'est assez petit. Pas beaucoup de différence quoi. Voilà. Donc voilà. Dans l'historique, hein, comme je vous ai dit, ils ont sorti ça parce qu'ils voulaient faire honneur aux courses qu'ils ont gagnées, aux résultats qu'ils ont fait au championnat bon, TCR, hein, Touring Racing Car. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous ai présenté la Golf GTI TCR de 2019 avec ses 290 chevaux. Surtout, si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et rejoignez-nous. Je fais des lives le dimanche et le mercredi à partir de 20h. On parle de mécanique. Si vous avez des soucis, vous pouvez me poser des questions. Allez-y, let's go.